La Royal Society. La Grande-Bretagne venait juste de sortir d'une guerre civile sanglante en 1660 et avait donc commencé un processus de reconstruction compliqué. La Royal Society a été fondée au cours de cette période mouvementée. Le roi Charles II aimait la physique expérimentale et avait donc ouvert la voie à la fondation de cette institution. Comme les lecteurs s'en rappelleront, Thomas Huxley, le soi-disant bulldog de Darwin, était membre de la Royal Society où il travaillait avec ferveur pour répandre le darwinisme. Comme expliqué précédemment, l'objectif fondamental de cette institution était de propager l'athéisme en utilisant les méthodes les plus efficaces possibles. L'expansion du darwinisme était l'une de ces méthodes. Les débuts de la Royal Society remonte aux réunions officieuses et secrètes nommées Invisible Collège, organisées par les scientifiques de Londres pour débattre sur la philosophie naturelle en 1645. Ces scientifiques admis dans les loges maçonniques opératives sous le règne de Cromwell avaient l'habitude d'assister aux réunions secrètes des loges maçonniques athéistes et faisaient ainsi connaissance entre eux. Les loges maçonniques opératives ont construit des cathédrales, des châteaux et des palais au Moyen-Âge. Invisible Collège a été fondé par ces personnes. Ce groupe, fondé par la Rose-Croix, une organisation secrète fondée en Europe au XVIe siècle, inspirée par le philosophe britannique Sir Francis Bacon, allait plus tard se transformer en la Royal Society. Il est connu que la Royal Society a été fondée après que le philosophe homosexuel Sir Francis Bacon ait choisi d'autres homosexuels et que l'institution hébergeait des homosexuels du XVIIe siècle. Bien que la Royal Society moderne ne veuille pas admettre ce fait, de nombreux documents historiques le confirment. En effet, un autre cofondateur de la Royal Society, le pasteur John Wilkins, était aussi homosexuel. Wilkins a tenu les premières réunions chez lui et au Wadham College. Wadham College est l'un des collèges constitutifs de l'université d'Oxford et a posé les bases de la Royal Society. Un autre cofondateur, Sir Robert Moray, était un homosexuel écossais, alors que Robert Boyle, un autre membre et qui allait être élu président de la Royal Society, était un homosexuel irlandais. Le fait que la Royal Society ait récemment récompensé Bruno Perrot, professeur et chercheur associé à l'Université de Cambridge, pour son travail montre que l'institution soutient des vues similaires. Les réunions qui ont eu lieu au Wadham College à Oxford en 1648 ont joué un rôle important dans la formation de la Royal Society. La raison la plus importante derrière la fondation de cette société, sous prétexte d'être scientifique, était de contribuer à construire l'idée de l'évolution. Ces organisations et groupes secrets ont fourni la base de la tromperie de l'évolution qui ne sera officiellement promue que dans les années 1800. Ce mouvement, qui a commencé en tant que société de débat secret pour la philosophie naturelle, était en réalité destiné à produire un mensonge sous un couvert scientifique. Et ce sont ces collèges invisibles susmentionnés qui ont débuté cela et qui furent ensuite institutionnalisés sous la direction des dix administrateurs homosexuels sous le nom de la Royal Society. La compréhension de l'univers mécanique d'Isaac Newton, qui fut élu président de la Royal Society en 1703 et le resta jusqu'à sa mort en 1727, fut utilisée pour développer la philosophie antireligieuse de la Royal Society. Tous les membres de la Royal Society ont apporté un grand soutien à Darwin avant et après la publication de son livre et ont également apporté leur contribution. Les premières fondations de Chatham House, répertoriées parmi les institutions de soutien des activités de l'État profond, ont également été posées par la Royal Society. Chatham House et d'autres institutions que l'État profond britannique exploite à des fins de renseignement et à d'autres fins diverses seront traitées plus loin, plus en détail.